Choubidou, oui, alors je ne suis pas maquillée, je suis vraiment nature de chez nature parce que j'ai les yeux qui pleurent et je fais une sorte d'allergie. Je me demande si je fais pas une allergie au crayon noir de chez Begin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté, je ne sais pas. Ils ont arrêté la marque, mais j'ai mis du crayon Begin et du coup ça m'a brûlé et je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc pour le moment, je me mets au repos, pas de maquillage, rien. Même pas de rouge à lèvres. Bon, alors, Carrefour, bah oui, je cherche pas une équipe qui gagne. 1,72€ et petits croissants avec les petits sachets. Bon, je vais pas faire de montage cette fois-ci parce que je vous cache pas que j'ai fait des montages, ça m'a pris 2 jours. Donc c'est très très long quand il faut mettre les textes et tout. Ça, c'est la caponata. La caponata, ce sont des légumes que l'on fait en Italie. Peut-être une région particulière, je ne sais pas. Et franchement, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a... En fait, on met ce qu'on veut comme légumes et on rajoute de la sauce tomate. Et on met ça avec une petite viande rôtie, mais c'est une tuerie. Et à l'italienne, c'est trop bon. Ça, je me suis fait avoir. Il faut que je les appelle. 3,39€ un kilo, alors que c'était marqué 2,49€. Ils vont encore m'entendre. Et s'ils m'entendent pas, c'est pas grave, j'aurai encore des excuses du directeur qui est très gentil de Carrefour qui va me dire excusez-nous, il n'y a pas de problème, on va faire le nécessaire. Donc ça, j'irai voir demain le prix. Il n'y a pas de raison. Je montrerai le ticket. Un petit pain, parce que je mange très peu de pain, 40 centimes. Ouais, j'ai grossi. Bah, une gonflée. En plus, je suis habillée comme une plouque. Voilà, aujourd'hui. C'est la plouque de service. Voilà. Mais je ne mens pas. Hein. Voilà. Avec les chaussettes, le rayé. Et les chaussettes. Rouge et jaunette. Non, rayé. Bon, Sybille, tais-toi. Stevia. Alors, tout simplement, de la Mora. C'est du ketchup à base de stevia avec moins de sucre. Je ne pense pas que ce soit des tomates fraîches ou quoi que ce soit. Mais bon, je l'aime bien. Voilà, il est moins de sucre, c'est de la stevia, c'est mieux comme ça. Ceci, ah oui, je voulais en prendre d'autres quand j'ai vu l'état du truc et que c'était à 2 mois de différence. Parce qu'en fait, ces gens, ce qu'ils font, eh bien, tout simplement, ils mettent des produits, c'est bon jusqu'à demain, moins 25%. Non, mais attendez, oh, jusqu'à demain, moins 25%, c'est moins 50 ou moins 70% qu'il faut faire. Voilà, donc, franchement, des fois, je ne comprends pas. Voilà, Carrefour de Market. Alors là, mais alors là, quand je vous dis que je ne sais pas le prix, j'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas. J'espère que je ne l'ai pas payé 1,80€ quand même. Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. L'avocat, nous ne saurons pas combien il coûte. Le juste prix, dites-moi le juste prix. J'ai pris. Poivron et olives, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Je mets ça avec du pain. J'adore. Le truc, c'est que. En plus, je crois que c'est cachère, ça. Je suis pas sûre, mais. Bah, mais en tout cas, c'est super bon. J'adore ça. Oui, bah, ça va. On a compris que tu adores ça. Tu vas pas le répéter 10 fois. Alors, attendez. Le sopalin, je sais pas combien j'ai payé. Il paraît qu'il valait 1,64, mais c'est double machin. C'est pour faire le ménage. Voilà, parce qu'il va falloir que je fasse le grand ménage. Ensuite, j'adore, j'adore, j'adore. Le sel, c'est pas bon, c'est du sodium, c'est pas bon pour la santé. Herbamar, prenez ceci, c'est une tuerie. Herbamar, sel marin, plantes et légumes frais. Je vous le recommande à 10 000%. Non seulement ça vous donne du goût, ça donne de la saveur et c'est délicieux. C'est sûr que c'est cher, 4,20 €, mais par contre, vous en avez pour un bon moment. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut? Non, je rigole, hein. Prenez du sel si vous voulez, je me baise. T'es plus là? T'es là? T'es plus là? T'es là? J'adore. Alors, orange, pêche de vigne, bah, si vous commencez à connaître mes courses d'€1,80, vous savez, je rachète ça tout le temps, c'est plein fruits. Franchement, c'est très très bon. C'est bon jusqu'en mai 2020. Vous vous rendez compte les dates quand même? Franchement, ils abusent. Hein. Car celui-là, je n'ai pas regardé la date, si j'ai regardé. 7 mars 2020. Ah, Istara, j'ai payé 2,40 €. Ah, toujours les petites tomates, 1 €, je les adore.
On a compris, Sybille, on a compris que tu adorais. Allô? Oui. Oui, c'est vrai, on a un problème, elle nous saoule avec son j'adore, 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 on n'a qu'à lui acheter du Dior. Bon, bref. Vous voyez, là, j'ai pas besoin de faire de montage parce que je rigole toute seule. Alors, comme ça, il n'y aura pas besoin de montage. Et au moins, vous allez encore dire, elle est folle. Et ça, mais ça, c'est le top. Qu'est-ce que c'est qui a coulé? Il y a un truc qui a coulé. Ah non, c'est des fleurs. Ça, c'est le top du top. Emballage en papier. Mais franchement, pour la planète, bravo. Protégeons la nature, utilisons moins de plastique. Eh bien, moi, je dis le trèfle. Vraiment, vous portez bonheur parce que ça, c'est top de chez top. Maintenant, c'est sûr que pour le garder, ouais, c'est sûr que pour le garder, on va le regarder. Oh, il est comme j'aime. Il sent bon. Francette, une gazelle. Moi, malheureusement, je supporte pas l'autre, hein. Mais c'est pas grave, c'est du papier. C'est le papier d'amour. Ah, ma Francette, je t'aime. Francette, c'est Mythe Gazelle. Si vous n'êtes pas abonné, mais ça m'étonnerait que vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, abonnez-vous. Ainsi que celle de Corinne Team Purple Love, que j'adore, c'est ma sœurette. Ceci, de la sauce vinaigrette à l'échalote. Franchement, très bonne. Ah oui, j'ai découvert une petite chaîne, Les Bretons, il y a un petit moment. Il est trop mignon, il fait des petits lives avec sa petite femme. Ils sont trop mimi, franchement, ils sont adorables. Allez-y, c'est Les Bretons. Alors, sauce vinaigrette à l'échalote, très bonne. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur mes courses dernièrement? Tout simplement qu'il ne fallait pas acheter le poireau pomme de terre parce que c'était pas bon du tout pour la santé, qu'il n'y avait pas de poireau, il n'y avait pas de pomme de terre. Que celui-là, apparemment, mouliné légumes, on peut prendre les marques de magasins parce qu'elles sont meilleures que certaines marques. Et je ne peux pas lire. Je n'ai pas les lunettes. Donc, je les adore. Moi, je mets un demi-sachet de gruyère râpée. Je vous dis, j'ai grossi, regardez. Mais quand je vous dis que j'ai grossi, c'est que j'ai grossi, hein. Enfin, dans la tête encore. Attendez. Ouais, je sais, je suis habillée comme une pouque. Bon, vous voyez, c'est l'avantage. On rigole comme ça, on n'a pas besoin de faire de montage. Parce qu'en fait, la base du montage, c'est tout simplement que les abonnés, c'est-à-dire vous, mes choubidous d'amour, ne vous ennuyez pas. Il ne faut pas que vous vous ennuyiez lors de ma vidéo. Il faut toujours que ce soit interactif, qu'on rigole, qu'il y ait toujours une petite surprise ou quelque chose. Du poulet. Alors, je l'ai pris halal parce que la dernière fois, j'ai pris du poulet normal. Mais franchement, je voulais le jeter. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait rien. Que là, le poulet halal, ils mettent une épice et franchement, il n'est pas mauvais. Donc, voilà. 3,80 € un demi-poulet. Il va être cuit tout à l'heure. des champipis, des champignons. 1 euro. Vous savez, j'adore ça. Alors cette fois-ci, je vais les manger en salade. C'est-à-dire que je vais enlever le pied et je vais les couper, je vais les laver. Je vais les couper en rondelles et je vais me faire une bonne salade ce soir, rien qu'avec des champignons. Ça, j'ai acheté ça. C'est un quoi? Voilà, c'est au lait. Ah, attendez, on m'appelle. Je vous rappelle. Allô? Ben, je vous rappelle, hein, je vous ai dit, je vous rappelle. Au lieu de dire j'arrive, je vous rappelle. Voilà, on m'appelait. Hein. Oui, mes choubidous, ben oui, je vous aime. Oui, allez, on recommence. On continue notre petite vidéo. Alors, donc, je disais que ça, c'était un truc aux légumes. Un flan, ben, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas du tout mes lunettes. Oh, un truc aux légumes. Bah, ça se trouve, c'est dégoûtant. Je paye ça 3 euros quand même. Hein. Mais bon, c'est frais. Ensuite, allez. Et vous savez qu'il y a un haul qui vous attend. Action. Mais vous, alors là, vous n'êtes pas prêt. Mais quand je vous dis que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Ce n'est pas possible. J'ai pas fait de montage parce qu'il est trop, trop long. Mais bah, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse le montage du haul action ou pas. Ou que je le mette comme ça à l'arrache, juste en coupant un petit peu des trucs, mais pas en mettant des blagues, des machins, des trucs comme je fais d'habitude. Dis-moi juste.
J'ai commandé. Allô? Ouais, d'accord, pas la peine. 3,14 €. Alors, je comprends pas là, par contre, c'était 3,49 €. J'ai bien regardé la référence. Et c'est passé à 3. Oh non! Oh non! Mais je comprends pas. J'en ai pris deux. À tout le coup, j'en ai pris deux. Oh non! Mais voilà pourquoi 3,14. Mais c'est pas celui-là que j'ai pris. C'était la marque à 3,49. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'est pas du tout celui-là que je voulais. Je me suis trompée. C'est en regardant la date. Je voulais le truc à l'américain. Il y avait 30 euros de 10, 30 centimes de différence. Bon, bah, je me suis trompée. C'est pas grave. Pas grave, c'est du. 3,14. Ça, c'est pour moi déjeuner le matin à l'anglaise. Bah ouais, j'ai envie de à l'anglaise. Ça s'appelle Miss Crumpet. 2,14 €, il y en a 6. Voilà. Des bananes, hein, j'ai eu du mal à les trouver, je vous le dis. Hein. 99 centimes, partout elles étaient à 2 euros. 99 centimes. Ça doit être des 4 Cavendish, mais je m'en fous, c'est des bananes. Cassoulet. Alors, une fois j'ai acheté du cassoulet William Sorin, j'étais déçue. Du coup, je me suis dit, je vais essayer le cassoulet normal de la marque Carrefour. Je voudrais du ketchup dedans. Oui, d'accord. Ne dites pas, Sybille, t'as dit que t'allais cuisiner. Oui, je vous assure que je vais cuisiner. Sauf que là, c'est au cas où, si j'ai pas envie de cuisiner. Voilà, c'est des cannelloni, 1,80 €. Ouais, les autres, ils étaient à 1,20 €, mais j'aime pas, j'aime bien la marque. J'ai pris ceci parce que j'ai loupé, parce que Sephora, si vous m'entendez, super. Ils m'ont débloqué mon mail, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, ma commande, c'est trop tard. Tant pis. Donc, j'ai laissé tomber ma commande. J'avais commandé un truc de chez Benefit. Et du coup, j'ai commandé chez Arborian. Et pour le coup, bah, j'ai plus de machin. Donc, de machin, de pousse-mousse. Pousse-mousse. Et je l'ai pris à l'aloe vera. Il n'y en avait plus qu'à 1,20 €. Euro. Les carottes râpées, 1 € le taboulé, voilà. Et bien sûr, vous vous rappelez, si vous me suivez, vous avez regardé mes précédentes courses, haul course, cross-série Carrefour. J'avais acheté du gruyère râpé et je m'étais fait avoir parce que j'avais payé 1,72 € et je voulais pas aller chercher. Là, je l'ai trouvé à 1,24 € le 3, c'est très bien, c'est pour mettre dans ma soupe. Tout ce que j'achète, je peux pas tout vous montrer parce que. Bah, parce que je passerai ma vie devant l'écran. Voilà. Sur ce, bah, dites-moi, hein, non maquillée, mais quand même, hein, il n'y a pas de rides. Elles sont où tes rides, Sybille? Et en plus, je vais vous dire un truc, il n'y a même pas de lumière. J'ai oublié de mettre la lumière. Super. Attendez, je vais la mettre. Bah, pour la mettre, il faudrait peut-être la brancher. Ça, c'est tout moi. Ah, on y va? Vous êtes prêts? Allez, un. 2, 3, et la lumière fut. Vous allez me dire si vous voyez une différence, ok? Alors, est-ce que vous voyez la différence? Voilà, est-ce que vous voyez une différence entre là et là? Et là. Ah ouais, il faut que je rappuie. Bon, sur ce, voilà, là j'ai mis la lumière. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais bon. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Attendez, vous allez me voir de plus près, comme ça vous allez voir les dégâts. Voilà. Non maquillée, pas de maquillage, kenini bigoudi, et même regardez là, les sourcils, rien, pas de. Voilà. Que du vrai. Pas le coup. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai mon cou. J'adore mon cou. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on va au soleil, j'ai pas été beaucoup au soleil moi en fait. Quand on va au soleil, eh bien malheureusement la peau elle vieillit beaucoup plus vite. C'est éteint la lumière là. D'ailleurs c'est pas normal que ça s'est éteint. Oh mon Dieu, pourquoi ça s'est éteint? Ah ben c'est mon ordinateur qui est éteint. Normal parce que c'est une clé USB. Et donc ce que je vous disais c'est que voilà en fait. Quand on va beaucoup, beaucoup au soleil, eh ben on a la peau ici qui flétrit. On voit le vieillissement par les mains. Et je commence à avoir des rides là. Enfin, des rides, des veines qui sortent. Voilà.
À part peut-être la chirurgie esthétique tirée ici, comme ça. Non, plutôt tirée là. Oh là, peut-être. Et là. Non, je sais pas. Oh, bref, je m'en fous. Bon, et sur ce, je dis n'importe quoi. Bon, allez, c'était, on a papoté ensemble. Je vous aime. Je vous dis à l'œil, je l'avais dit, je t'éclairerai, tu y as mon bye-bye. Je vais ranger mes courses. Ouais, bah, sans maquillage. Moi, j'aime mieux le maquillage quand même, hein. Bon, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est la caca, la caca, la catastrophe. Et quel est l'article que vous avez préféré dans mes courses du jour? Et ça, je vais aller le laver. Je fais tout le temps ça. Et faites-le quand vous buvez une canette de coca, même s'il y a un couvercle. Vous lavez tout le temps la canette. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous demandez, ou si vous êtes dehors, vous demandez un verre ou une paille. Mais une paille, il n'y en a plus maintenant. Il faut l'avoir sur soi, la paille. J'en ai une paille en inox, moi. Mais en bambou, c'est bien aussi. Donc, voilà, il faut tout simplement laver la canette. Parce que vous ne savez pas qui l'a touchée. N'importe qui peut la toucher. Vous mettez ça à la bouche. Non. Vous lavez. Bon, bah sur ce, cette fois-ci, on est go? On y va? I love you. Isli Te quiero. Ti amo. Et je vous ai dit qu'il va y avoir une surprise, méga surprise sur ma chaîne. Enfin, pas sur ma chaîne, sur l'antenne.